Nous avons reçu 101 candidatures sur notre plateforme parce que c'est un prix qu'on lance sur la plateforme Orange. Nous avons retenu 11 candidats par le comité de lecture et aujourd'hui le comité a décidé des 4 lauréats qui ont gagné. Donc les 3 premiers prix ont été remportés, le premier par Ops, c'est une start-up qui veut gamifier, digitaliser l'éducation et faire en sorte que les enfants, au lieu de se connecter à TikTok ou Instagram ou tous ces réseaux sociaux que vous connaissez, puissent apprendre via une application qui a la même façon de faire que les réseaux sociaux. La deuxième s'appelle Bean Budget. Voilà, en fait, c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et c'est des femmes qui savent cuisiner, qui vont cuisiner pour pouvoir vendre, en fait, et qui vont être rassemblées dans des cuisines et qui vont pouvoir vendre à des entreprises ou à des particuliers. Et le troisième, en fait, adresse le problème de la pollution plastique marine, pour la détection, en fait, de cette pollution et pour qu'on puisse faire en sorte que nos fonds marins et nos mers soient, et nos rivières soient moins polluées. Depuis la création des Orange Digital Center, où on est aujourd'hui, vous avez assisté à ce POESAM, on a accompagné plus de 300 startups à se développer, dont 51% sont portées par des femmes. Prochaine étape, inchallah, bidnillah, il y a l'application Tchorj carrément sur le marché où Makranesh a tous les halegltistiles, tous les chimidendo. Et ça sera justement une application gratuite, faire quelques fonctionnalités libres à nous, à maxer les réconnus payantes. Mais 70 à 80% de ce qui est gratuit. Je suis venu à la maison. Zéma, ils sont au top. Nous sommes la première ville, inchallah, dans le Qatar.